Il y a 20 ans jour pour jour, l'Olympique de Marseille devenait le premier club français à remporter la Coupe d'Europe des clubs champions. Âgé de 24 ans à l'époque, Didier Deschamps était alors le capitaine de l'OM. L'actuel sélectionneur de l'équipe de France revient sur cette journée qui aura marqué l'histoire du football français. Ça m'a servi après par la suite parce que j'avais tellement pensé au match, je me suis fait tellement le match dans ma tête avant, j'avais du mal à bien dormir la veille, l'après-midi j'avais pas fait la sieste. J'ai laissé beaucoup de jus et après sur le terrain j'en avais beaucoup moins. C'est Fabien Barthez qui nous maintient parce qu'on a 20 minutes où ils ont 2-3 occasions. Voilà, un petit peu peut-être de l'appréhension aussi. Eux ils étaient habitués, ils étaient champions d'Europe l'année d'avant, donc on découvrait. C'était le grand Milan AC, donc pas bien. Dans l'ensemble, c'était vraiment pas un beau match. Mais bon, voilà, il y a ce but-là juste avant la mi-temps qui est très important pour nous. Et lorsqu'on voit Basile quand il marque, à la limite il est accroché, c'est le fait d'être accroché et qui l'aide peut-être aussi à donner ce coup de tête. Donc on l'avait travaillé, mais pas plus que ça, puisque ça arrive en fin de saison, on en avait joué des matchs jusqu'à là, donc c'est des choses qui se répètent sans positionnement, enfin sans combinaison spéciale. Après c'est l'instant aussi, on savait ce qui montait, celui qui devait frapper, ce qui devait rester derrière. Après, il y a des positions qui peuvent changer d'un coup de pied arrêté à l'autre. Alors, à la mi-temps, on savait qu'il y avait encore 45 minutes, mais il y avait une force qui se dégageait, et puis l'essentiel était fait pour nous. Donc oui, on a pensé surtout à défendre. Ça a été un grand spectacle, mais ce petit but nous suffisait, donc on a continué de bien défendre jusqu'à la fin du match. C'était un club français, c'était la première. Bon, privilège d'être capitaine aussi, d'aller la chercher, la lever. Oui, après c'est au stade et puis surtout après quand on est rentré à Marseille, parce que voilà, c'est le sud, avec beaucoup de passion, de ferveur. Donc voilà, c'est un des grands moments. J'ai eu la chance de la gagner par la suite, mais elle n'avait pas le même goût, la même saveur, parce que bon, Marseille c'est merveilleux quand on gagne des titres, et puis voilà, c'est vraiment passe d'une extrême à l'autre, mais quand c'est de la joie, c'est vraiment des émotions, des sentiments très forts.